Merci mille fois à toi, Christine Poupin, d'avoir pu passer par Lausanne. C'est vraiment une chance de t'avoir pour cette discussion sur les liens, les convergences et les dynamiques collectives qui peuvent apparaître entre les mouvements climatiques et les mouvements féministes. On est vraiment chanceux de t'avoir par ici, Merci à vous. mais de rien. Et du coup, à ta droite, Noémie Rentsch, militante de la grève féministe dans le collectif Roman de la grève féministe, là depuis le début et à qui on doit une quantité de travail abattu impressionnante et la mobilisation fantastique du 14 juin, mobilisation qu'on n'avait jamais vue en Suisse depuis très très longtemps. Et à la gauche de Christine Poupin, on a Steven Tamburini qui est militant au sein du mouvement Grève du Climat, cette fois-ci, de la coordination romande, qui a participé aussi à des groupes de travail au niveau national, qui est également très investi dans ce mouvement et depuis longtemps, même si le mouvement est plus jeune, aussi actif depuis longtemps. Voilà, donc on a la chance aussi d'avoir deux personnes qui sont très actives et très ancrées dans ces mouvements, qui ont une connaissance assez profonde de ce qui s'y passe de l'intérieur. Et l'idée, bah, voilà, c'est de réfléchir dans un premier temps à ces deux mouvements, à leur dynamique et à ce qui peut se mettre en place entre les deux, notamment parce que tout récemment a été créée une commission écoféministe qui vise justement à faire des jonctions et à tisser des liens entre ces deux mouvements. Que ce soit juste en termes organisationnels ou bien plus au niveau théorique et des revendications qui sont portées. Et puis voilà. Oui, voilà, ça c'est pour la première partie de la discussion. Et pour la deuxième partie de la discussion, peut-être quelque chose d'un peu plus théorique pour essayer de réfléchir aux convergences qu'il peut y avoir entre des revendications féministes et des revendications à caractère écologiste. Alors ouais, Noémie, du coup, est-ce que tu peux commencer à présenter le mouvement grève féministe? Oui, bien sûr. Après, je vais présenter ma vision des choses du mouvement grève féministe. Je ne pense pas que c'est représentatif de ce que pensent toutes les personnes présentes au sein de ce mouvement. Et du coup, voilà, ça, c'est mon point de vue personnel qui doit être interprété comme tel. Et puis, je pense que je n'ai pas forcément envie d'en parler du mouvement de grève féministe. De ce qui s'est passé avant le 14 juin, parce que je pense que ça a déjà été longuement raconté dans de nombreuses vidéos, conférences au cours de l'année passée. Puis je trouve que c'est plus intéressant d'en parler un peu dans ce qui va se passer dans le futur, dans les mois qui viennent, et puis les défis qui se posent à ce mouvement, et puis un peu les premières tensions qu'on peut voir apparaître, même si de manière très encore subtile à l'intérieur de ce mouvement, qui est du coup un mouvement quand même très large. Enfin, je veux dire. Des centaines de milliers de personnes en Suisse qui descendent dans la rue à 14 juin, ça peut pas se faire avec une toute petite frange de la population concernée. Et ça, c'est à la fois une énorme force, surtout pour un pays comme la Suisse où finalement c'est tellement dur de mobiliser les gens. Et en même temps, bah, ça signifie que une fois le 14 juin passé et l'euphorie un peu redescendue de oh mon Dieu, c'était merveilleux, magique, etc., bah, ça se pose la question de qu'est-ce qu'on fait après et comment on fait. Entre les personnes présentes dans ce mouvement et les différents points de vue et opinions pour continuer à avancer. Alors, il y en a évidemment le manifeste de la grève qui pose quand même les bases un peu de ce que ce mouvement revendique et qui est un manifeste, comme ça a déjà été dit et redit, qui est quand même très radical, très anticapitaliste même, qui a des revendications qui vont bien au-delà de la simple question de l'égalité salariale qui est un peu. La question que le Parlement s'est empressé de traiter, parce que finalement ça permet de masquer tout le reste et de dire qu'on fait des choses pour l'égalité alors qu'en fait pas vraiment. Et du coup il y a quand même ce manifeste qui est un peu je sais pas, une ligne directive, mais ensuite il y a la question de qu'est-ce qu'on fait à partir de ce manifeste, comment est-ce qu'on met les choses en place, quelles revendications de ce manifeste on veut faire passer en premier et comment on veut les faire aboutir. Et je pense que là, ben voilà, on voit déjà maintenant un peu des avis différents entre les personnes qui disent il faut qu'on se centre, faut qu'on se recentre sur la question du travail, de l'égalité salariale qui est toujours pas appliquée en Suisse et que on pousse à mettre en place un contrôle systématique, etc., qui est évidemment très important. Mais il y a aussi toutes les autres revendications qui touchent ben déjà le travail non salarial, non rémunéré, dit travail reproductif, qui touchent la question des violences aux femmes, qui touchent la question de l'accès à la santé, qui touchent la question de la migration et du droit d'asile pour les femmes migrantes, qui touche aussi la question des LGBTQ-phobies et des violences spécifiques qui touchent ces populations-là, et où du coup, ben,
maintenant qu'on doit faire des choses, eh ben, on voit que tout le monde n'a pas les mêmes priorités, on voit aussi que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts dans ce mouvement à faire aboutir certaines de ses revendications. Là, on a un conseil fédéral qui, malgré cette énorme mobilisation, vient de confirmer une nouvelle attaque sur l'âge de la retraite des femmes en Suisse, élévation de l'âge de la retraite qui a déjà été refusée il y a 2 ans, mais apparemment c'est pas suffisant, comme bien souvent en Suisse d'ailleurs on dit non et ça revient 2 ans plus tard. Et on voit à l'intérieur de ce mouvement des femmes qui disent pas d'élévation de l'âge de la retraite des femmes tant qu'on n'aura pas obtenu l'égalité dans les autres domaines, et puis d'autres, les militantes plus anticapitalistes et qui ont une réflexion plus globale sur ce que ça signifie l'âge de la retraite, l'élévation de l'âge de la retraite, la durée du temps de travail, qui disent non, pas d'élévation de l'âge de la retraite des femmes tout court et pas d'élévation de l'âge de la retraite pour personne dans la population. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître comme des petits détails où finalement on a un objectif commun, mais en fait on se rend compte que dans les discours on n'en est pas du tout forcément au même point, au même type de réflexion, et du coup ça pose la question de comment faire à l'intérieur d'un mouvement comme ça pour pousser vers une réelle radicalité aussi dans les actions qui vont être prises, dans la manière dont les groupes de travail qui s'organisent vont mettre en place des choses. Aussi, on a un jeté sur les violences qui est extrêmement important, comme en Suisse, la question des violences, un peu comme en France, c'est une question hyper importante. C'est deux des pays en Europe où les statistiques sont les plus dramatiques à ce niveau-là. Et voilà, là aussi, comment on fait pour mettre en place des mesures de lutte contre les violences qui ne servent pas un État qui a des volontés sécuritaires et qui peut utiliser ça à des fins racistes et carcérales. Alors voilà, on a des plans de lutte contre le harcèlement de rue. Ben, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles on se doit, en tant que militante anticapitaliste et féministe dans un mouvement comme ça, de réfléchir dessus et de ne pas laisser passer n'importe quoi et finalement de pousser l'ensemble du mouvement à avoir une réflexion qui va au-delà de « nous sommes des femmes avec un grand F et nous voulons l'égalité pour les femmes » ou « la femme, encore pire, avec un grand F ». Puis du coup, je pense que c'est un peu la question. Et puis l'autre, disons, point de tension que je vois, c'est que la grève du 14 juin, ça a quand même été une mobilisation très massive, mais en termes de grève, au sens premier du terme, comme on l'entend, c'était assez faible. Les secteurs privés se sont pas ou très peu mobilisés. Et du coup, comment on fait maintenant pour aller chercher aussi dans le monde du travail et faire en sorte que ces milieux-là se mobilisent? Et comment on fait pour aussi amener à penser la question de la grève du travail non salarié, du travail reproductif et de ce que ça implique pour une économie capitaliste comme l'économie suisse si d'un seul coup ce travail reproductif finalement cesse et se met en grève? Du coup, je pense que je peux passer la parole à qui veut la prendre. Steven, tu veux faire une brève présentation de mouvement grève du climat? Alors, de la même manière que Noémie, je vais aussi m'exprimer en mon nom et pas au nom de la grève du climat, et la manière dont je vois le mouvement également, qui n'est pas celle de toutes les personnes qui sont engagées dans ce mouvement, et j'aimerais surtout m'exprimer sur les perspectives d'avenir également. Simplement revenir peut-être sur nos revendications de base, contrairement au manifeste de la grève féministe, elles sont en tout cas beaucoup moins nombreuses et moins radicales, du moins en apparence. Et nos trois revendications qui sont la première, celle de déclarer l'urgence climatique et de faire comme si c'était le sujet le plus important, on va dire, à traiter actuellement vraiment dans l'immédiat et de pouvoir en informer la population. Le deuxième point, peut-être plus technique, celui de la réduction des gaz à effet de serre pour une neutralité carbone à 2030, et notamment avec une décroissance à partir de 2020 de 13% jusqu'à 2024, donc janvier, pour arriver à 50% d'émissions. Et la troisième, à mon avis la plus importante pour construire autour du projet, qui est celle de la justice climatique compris au sens où on ne doit pas prendre des mesures écologiques qui vont continuer à exacerber les inégalités sociales d'un point de vue générationnel, mais également de classe, de genre, et surtout la justice climatique, compris également dans quelle situation, du coup, pour la Suisse, on se trouve d'un point de vue historique et actuel, quelles sont les responsabilités qu'on doit avoir par rapport à ça vis-à-vis des autres pays, par rapport auxquels on a contribué à piller leurs ressources, et comment est-ce qu'on doit agir par rapport à ça pour aussi construire une solidarité internationale, pas faire que l'on rejette la faute à ces pays alors que c'est nous qui en sommes les premiers responsables.
Donc, en apparence, et puis la quatrième, mais qui n'est pas une, et qui est un peu le premier point de friction du mouvement de la grève du climat, celle de si on ne peut pas atteindre une de ces revendications dans ce système, eh bien, il faudra un changement de système. Les barrières systémiques ne peuvent pas venir entraver l'urgence de la situation. Et à partir de là, on a construit le mouvement dans toute la Suisse, mais également c'est un mouvement international avec Fridays for Future. Et il y a eu plusieurs dates où des millions, principalement du coup de jeunes, se sont mobilisés dans la rue. Et en Suisse, on a décidé de prendre un tournant, on l'a appelé l'acte 2. Ça veut dire qu'on a considéré que lors du mois de juillet, l'acte 1 avait été plus ou moins bien accompli. Ça voulait dire celui de pouvoir informer la population de la situation et également de pouvoir mettre l'urgence climatique et environnementale, on va dire, à l'agenda politique, si ce n'est comme premier sujet de l'agenda politique. Et actuellement se pose la question de comment maintenant pouvons-nous créer un rapport de force plus important avec le gouvernement pour qu'il puisse prendre des décisions, pas simplement faire des déclarations, que ce soit des déclarations symboliques d'urgence climatique ou alors de « nous allons rédiger un plan climat dans notre canton au sein de la fédération » ou changer des objectifs climatiques qui, de toute manière, comme on l'a vu en Suisse, sont toujours en deçà des espérances, disons, de notre vision, et également des rapports, des scénarios les plus favorables que dresse le GIEC. Et actuellement, cette idée de l'acte 2, c'est de pouvoir, en fait, remobiliser déjà les personnes dans les lieux de formation, car on peut remarquer qu'il y a des noyaux qui poussent le mouvement très loin et qui sont allés très loin dans certaines réflexions, mais qui ont peut-être mis de côté l'aspect de pouvoir pousser les personnes qui sont dans les différents gymnases, lycées, universités, à aller de l'avant, à revendiquer des choses auprès de leur institution, à s'auto-organiser, donc cette culture de l'auto-organisation qui s'est en partie perdue. Donc un premier enjeu, mais également un enjeu d'élargissement, à la fois à la population disons, qui n'est pas directement concernée par le marché du travail ou plus, ça veut dire les personnes plus âgées, à travers notamment les grands-parents pour le climat qui sont relativement motivés à travailler avec nous, peut-être plus dans des perspectives électoralistes pour l'instant, mais qui, passé cette date, seront certainement plus à venir sur disons, une vision radicale. Mais également avec les lieux de travail, les syndicats dans la mesure du possible et surtout, et on en parlera après avec la grève féministe pour voir de quelle manière elles ont réussi à construire des collectifs partout, vraiment partout, et de voir s'il y a possibilité de faire quelque chose de similaire. Et en parallèle de ça, il y a toutes les discussions par rapport à nos modalités d'action qui, on pourra revenir, sont un peu le point de friction entre les personnes qui veulent aller plus vite, qui veulent être plus radicales, passer à des actions de désobéissance civile non violente de masse ou qui veulent également s'auto-organiser pour des actions plus directes. Et en parallèle de cela, d'autres personnes qui rejoignent le mouvement encore maintenant, qui veulent aller moins vite, qui ne comprennent pas ou qui croient encore aux élections du mois d'octobre. Et ça, c'est un premier point de tension. Et le deuxième point de tension, c'est par rapport à notre plan climat, mais là, c'est plutôt vis-à-vis du gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait avec notre projet d'écrire un plan climat national et cantonal? Est-ce qu'on le poursuit de manière indépendante? Qu'est-ce qu'on fait de ce plan climat qui ne peut pas rester dans le vide comme ça? Super. Christine, alors je te laisse prendre la parole et nous dire ce que tu peux nous dire de ces deux mouvements. Peut-être juste une chose que j'aimerais rajouter très rapidement, mais il me semble qu'un élément important que toi, tu pourrais nous éclairer avec ton regard français, c'est justement cette question de la grève effective, de l'arrêt du travail. Noémie parlait des limites de cette tentative de grève dans le mouvement féministe suisse, dans le mouvement grève du climat. Effectivement, c'est encore quelque chose qui manque, les étudiants avoir véritablement arrêté les cours tous les vendredis. Bon, il n'y en a pas malheureusement beaucoup. Et voilà, ce n'est pas les contextes qui sont du tout analogues. On est ici au pays de la paix du travail, ce n'est pas du tout le même contexte. Mais qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire là-dessus, en plus de toutes les choses que tu veux nous apporter, tous les éclairages que tu veux nous apporter sur ces deux mouvements? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que surtout, il ne faut pas bouder son plaisir.
C'est que quand même... Non, non, mais voilà, parce qu'on voit, on a toujours un peu tendance à voir le verre à moitié vide, les difficultés, etc. Mais bon, on s'est d'abord constaté qu'on a affaire à des mouvements extrêmement massifs, extrêmement jeunes, et je pense qu'on peut caractériser le fait qu'on a une nouvelle génération qui est en train de se mobiliser, et de se mobiliser sur des questions qui ne sont pas annexes, qui sont tout à fait centrales, qui sont et la question, alors la question du climat, mais au-delà de la question du climat, la question de la possibilité même de la vie et du support matériel de cette vie. Bon, et puis la question des mobilisations féministes avec tout ce que ça pose comme question. Évidemment, tu l'as dit, les questions de reproduction sociale, c'est-à-dire de penser pas simplement en termes de production, mais de reproduction. Et donc de tout ce qui permet de prendre soin les uns des autres dans toutes les dimensions. Bon, ça, je pense que c'est deux questions qui sont absolument essentielles. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est en quoi ces mouvements-là sont, j'allais dire les bienvenus, c'est au-delà, bienvenus, c'est faible, au-delà des bienvenus, mais absolument essentiels dans le sens où ça vient rompre cette chape de plomb du néolibéralisme, hein, puisqu'on a quand même eu cette vague, ce flot réactionnaire, bon, initié, alors vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc, mais bon, les années Thatcher, Reagan, cette espèce de tournant qui réellement se poursuit et qui a changé le monde, qui a transformé le monde dans leur volonté, dans cette espèce de guerre de tous contre tous, assise sur une idée très très ancienne, hein, mais qu'ils ont, eux, en fait, réussi vraiment à mettre en œuvre, de cet ultralibéralisme, de ce libéralisme absolu, de cette guerre de tous contre tous et de véritablement une reconstruction de, je dirais même, de qui nous sommes. Voilà, avec une sorte de mythe de transformation de chacun et chacune d'entre nous en individu entreprise. Hein, entrepreneur de lui-même. Alors, on est tous entrepreneurs de sa santé, entrepreneurs de sa vie, entrepreneurs de sa vue, de je ne sais quoi. Enfin, cette idéologie absolument épouvantable qui nous présente une sorte d'abstraction, d'humanité totalement abstraite, détachée complètement de toutes les contingences et des relations interhumaines et des relations à la nature. Comme si on était comme ça suspendu, aussi abstrait que la marchandise elle-même. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est à cette image-là. Et pour moi, ces mouvements-là, ils ont cette profondeur de la contestation de ça, de cette pseudo-indépendance de l'individu poussé à ce extrême. Et il vient rappeler à quel point on est à la fois éco-dépendant et interdépendant. Pour moi, ça pose des questions essentielles et c'est absolument, absolument fondamental. Et le fait qu'il y ait cette nouvelle génération, pour moi, elle est radicale dans le sens où elle prend à la racine ce que le néolibéralisme veut faire de nous et veut nous inculquer comme vision, y compris de nous-mêmes et les uns les autres. Donc voilà, je pense que ça, c'est absolument, absolument essentiel. Après, tout ça est contradictoire et compliqué, mais bon, heureusement, la vie est compliquée. C'est ça qui la rend intéressante. La deuxième chose, c'est que voilà, c'est à partir du moment où il y a mouvement, et plus le mouvement est massif, qu'on peut poser les questions intéressantes, que peut commencer effectivement à rompre le consensus, à rompre cette chape de plomb et à réfléchir collectivement. Je pense que cette idée de rupture avec l'ordre établi des choses, bon, qui commence par descendre dans la rue, par protester, par dire non, bon, c'est absolument essentiel. Et en ça, je pense que la grève a une dimension qui est une dimension extrêmement importante. Alors, on a souvent une vision de la grève, c'est important parce que ça bloque. Bon, il faudrait revenir sur cette discussion-là, parce que je pense que l'organisation capitaliste du travail et de la production
rend les choses de plus en plus difficiles pour poser les choses en ces termes-là. C'est-à-dire que les questions de délocalisation, de sous-traitance à l'infini, de précarisation du travail, fait que les secteurs, bon, y compris en France, on peut dire hein, l'agriculture de la France, tatati tatata, bon, c'est du baratin hein, tout ça, parce qu'en fait, ça a beaucoup baissé le nombre de... Bon. Mais les secteurs, même de la classe ouvrière industrielle, qui a l'idée que si on s'arrête de travailler, on se met en grève, on bloque les choses, bon, sont devenus extrêmement minoritaires. Je fais juste une parenthèse. Un des enjeux de la bagarre autour de la SNCF, du transport ferroviaire, l'an dernier, c'était vraiment la volonté du gouvernement de casser un des derniers secteurs qui se sentait cette possibilité, effectivement, de bloquer les choses. Voilà. Il y a un autre secteur, moi, je connais un peu mieux, qui est le secteur du raffinage. Du pétrole, qui avait l'idée, bon, ben voilà, vu la place centrale qu'occupe le pétrole dans la société, dans l'économie, si on s'arrête, ça va effectivement avoir effet de blocage, voire la panique qui se déclenche quand on parle de pénurie d'essence, etc. Bon, et c'est ce qui a été utilisé dans les grèves, et ce qui a motivé les grèves dans les raffineries, que ce soit en 2010, que ce soit en 2016, où on avait des grèves qui n'étaient pas du tout sur des objectifs corporatistes. Hein, les raffineurs défendaient rien qui leur était particulier. Il y avait vraiment l'idée, alors je sais que c'est un très gros mot ici, mais d'une grève politique qui permettait de contribuer à la grève interprofessionnelle par la place spécifique qu'ils occupent dans la production. Voilà. Mais je pense qu'on parle du coup de secteurs tout à fait délimités pour lesquels le fait d'être en grève consiste à bloquer. Je crois que ce qui est important de notre point de vue, de notre côté, c'est que la grève, elle bloque, elle interrompt l'ordre normal des choses. Dans cet ordre normal, on est dominé, on est aliéné. On a tendance à réfléchir dans les cadres qui sont ceux qui nous sont imposés par la vie qui nous est imposée. Quand on est en grève, on arrête ça, on rompt avec ce truc-là. Bon. Et je pense que c'est le support matériel pour pouvoir commencer à faire autre chose, à réfléchir autrement. Bon, après, je ne peux pas être angélique. Je pense que dans le mouvement, la question qui est déterminante pour sa maturation politique et pour qu'il devienne effectivement conscient de lui-même, anticapitaliste, écosocialiste, et toutes ces belles choses, c'est la question de l'auto-organisation. C'est la question de l'autonomie du mouvement, de son auto-organisation, de sa capacité à décider de ses propres rythmes, de ses propres modes d'action, etc., sans se laisser entraver par, en gros, des intérêts supérieurs, entre guillemets, on aurait dit à certains moments, de partis, etc., mais d'organisations plus institutionnelles, plus intégrées, etc. Donc cette question de l'auto-organisation, effectivement, pour moi, est première, parce que c'est à partir de ça qu'on peut se poser la question de comment les choses peuvent avancer et comment on prend conscience soi-même des obstacles auxquels on se heurte. Et puis on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec? Par où on passe? Comment on formule les choses? Quels sont nos alliés? Mais l'important, c'est de pouvoir y réfléchir soi-même. Alors bon, pour parler un tout petit peu de ce qui se passe en France, c'est une situation qui est quand même très très différente. Alors il y a évidemment une mobilisation pour le climat, il y a les grèves pour le climat, il y a les marches. Bon, et c'est vrai que, bon, comme partout ailleurs, depuis l'été 2018, on a eu cette croissance du mouvement qui, pour nous, avait été totalement... Enfin, c'était fait complètement couper les ailes, hein, je dirais, en 2015, alors qu'il y avait la mobilisation autour de la COP21, donc 2015, à Paris, qu'on s'était dit, dans ce cadre-là, ben, ce n'est qu'un début et on va continuer. Et en fait, la chape répressive qui s'est abattu sur le mouvement social en prenant prétexte des attentats avec l'état d'urgence, les interdictions de manifestation, etc., a fait empêcher la poursuite de ce mouvement. Mais en fait, on reprend un peu les choses et à la fin de l'été 2018, on a un peu repris les choses là où on les avait laissées et puis il y a eu ces marches.
Je pense qu'on peut dire que le mouvement dans la jeunesse n'est pas aussi fort qu'il est ailleurs dans d'autres pays européens. Mais bon, on a vraiment là quelque chose qui grandit, qui grossit, qui prend de l'ampleur, qui est tout à fait important. Sur la question, malheureusement, de la grève féministe, on est loin derrière et on est... C'est pas très joli, mais on est quand même très, très jalouse des voisines. Et on s'est dit, même les Suisses, elles arrivent. Non, je plaisante. Parce que les Espagnols, les camarades de l'État espagnol, disent, bon, d'accord, elles sont très, très fortes, il n'y a pas de souci. Mais si même les Suisses y arrivent, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Non, plus sérieusement, on essaye de travailler à la construction vraiment de la grève féministe pour le 8 mars. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, parce que les conditions, elles sont... D'abord, nos conditions sont extrêmement internationalisées, donc normalement, les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Si on regarde la question des féminicides, par exemple, bon, la situation en France est absolument dramatique. Là, on est dans cette espèce de décompte dramatique où tous les deux jours, voilà, on va rajouter une femme à la longue liste. Bon, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Bon, donc on travaille à ça. Mais c'est vrai que nous, ce qui a marqué la situation des derniers mois, c'est évidemment, ça a été l'émergence de ce mouvement des Gilets jaunes que personne n'avait vu venir. Qui est sorti comme ça, autour des ronds-points, alors plutôt à la campagne, pas exactement à l'endroit où on a habituellement les yeux fixés. Bon, voilà, un mouvement extrêmement populaire. Alors, il y a plein de gens qui se sont dit « Oh, il y a plein de femmes !» Oui, il y a juste 50% de femmes, mais comme dans la population. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on remarque qu'il y a plein de femmes. Enfin, que quand il y a 50% de femmes, on remarque qu'il y a plein de femmes. C'est juste parce que je pense que, globalement, on a pris l'habitude de regarder un mouvement syndical, un mouvement politique, qui, lui, est loin d'avoir 50% de femmes. Bon. Et je pense qu'aussi, les questions qui sont posées, la façon dont les questions sont posées par les Gilets jaunes, à partir de la vie quotidienne, réellement, de l'organisation de la vie, de la question des distances, des déplacements, de l'isolement, de la misère des services publics, de la nécessité d'utiliser sa bagnole alors qu'on n'en a pas forcément envie, et de tout ce qui pourrit la vie quotidienne, a permis aux femmes d'exprimer ce qu'elles avaient à exprimer, qui est en général peu pris en charge par le mouvement syndical et par les organisations politiques. Je pense que c'est ça qui fait une grosse, grosse différence. Et du coup, il y a eu une visibilité donnée à une forme de pauvreté, à des formes d'exclusion qui étaient jusque-là absolument invisibilisées. Et quand je dis c'est dans le mouvement que les choses se politisent, c'est vrai que ce truc était surprenant. Enfin, au démarrage, c'était quand même une histoire de voiture, quoi. Donc a priori, les écolos se disent une histoire de voiture, quoi. Bon, mais quand on réfléchit un tout petit peu, y compris quand on a réfléchi avant à l'idée que la taxe, c'était pas forcément la bonne solution pour réduire l'utilisation de la voiture, que d'un point de vue écolo, c'est pas terriblement efficace et que d'un point de vue social, c'est absolument désastreux. Quand ça se met en place, on voit que les couches populaires qui sont condamnées à utiliser leur voiture, parce que tout dans la société est organisé autour de la voiture, qu'on a réellement structuré à la fois la structuration du temps, mais aussi l'aménagement du territoire pour rendre indispensable l'automobile. Bon, quand après, on vient dire aux gens, mais franchement, c'est vraiment pas bien. Puis alors, en plus, vos voitures, à vous, elles sont vieilles, donc elles sont encore plus polluantes. Donc vraiment, c'est très, très moche. Bon, les gens, ils le prennent mal. Et ils ont raison de le prendre mal. C'est important de comprendre ça. Mais ce qui est surtout extrêmement important, c'est la façon dont les Gilets jaunes eux-mêmes ont réagi à ce truc-là. C'est-à-dire que ce mépris de classe, réellement, cette morgue du gouvernement, en gros, sur ces gens, ouais, ils s'occupent de leur fin de mois, ils ne sont même pas capables de regarder qu'il y a la fin du monde. Et là, la réponse, ça a été fin du monde, fin de mois, même combat, mais repris de manière extrêmement massive par les Gilets jaunes. C'est-à-dire vraiment une maturation de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le mouvement climat, qui, c'est vrai, dans un premier temps, pense que voilà, la question du climat, ça concerne tout le monde.
que la question de comment ça se connecte avec la question des injustices sociales, je n'ai pas trop réfléchi, Ouais, sauf que quand c'est posé par les Gilets jaunes et qu'on a des Gilets jaunes qui ont des pancartes qui disent fin du monde, fin de mois, même combat, il y a peut-être des alliés à trouver là. Et ça, je pense moi que ça a aidé à politiser la question du climat. Et je pense que cette interaction comme ça entre les mouvements, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, quoi. Et c'est ça qui est prometteur. Peut-être m'arrêter là. Concernant juste ce dernier truc par rapport au mépris de classe, peut-être juste pour vous relancer les deux, je trouve intéressant ce que tu dis parce qu'il me semble que c'est aussi quelque chose qu'on a vu arriver très vite avec les deux mouvements grève féministe et grève du climat. Grève du climat, c'est évident parce que nous, c'était pas les voitures, mais c'était les avions. Il suffisait que les jeunes ne prennent pas l'avion chaque année et puis ils pouvaient rentrer, retourner travailler, il n'y avait pas de raison de se plaindre. Finalement, c'était eux les gros pollueurs actuellement. Et on a eu des réponses systématiques au début du mouvement, des hiérarques, des partis notamment, les partis de droite, les partis libéraux, qui nous intimaient simplement la proposition d'arrêter de prendre l'avion et puis de retourner à l'école. Et très rapidement, le mouvement a su, il me semble, démontrer, enfin peut-être que Steven, tu pourras leur dire, mais démontrer qu'on luttait pour bien au-delà. Et puis, grève féministe, idem. Alors, c'était pas les mêmes critiques, mais c'est les lobbies patronaux qui, assez rapidement, sont montés à la charge contre cette grève qui était illégale parce qu'elle concernait pas les conditions de travail. Et puis, les habituelles critiques des féministes hystériques, anticapitalistes, ultra-minoritaires qui ne représentent rien dans le mouvement, mais qui ont réussi à démontrer qu'elles étaient capables de mobiliser plus qu'aucun autre mouvement social en Suisse jusqu'à maintenant. Donc, j'ai juste entendre votre réaction là-dessus, sur ces formes de mépris au début du mouvement que le mouvement arrive à dépasser. Ouais, c'était aussi, on lisait, c'était surtout une attaque médiatique qui était très forte, par rapport, on sortait des images du contexte, on voyait des jeunes qui allaient manger au McDo, ou qui avaient laissé leur pancarte de côté, des attaques individuelles, qui ensuite se sont plutôt soustraites par des réponses politiques encore plus individualisées, comme si, tu l'as dit, arrêter de prendre l'avion, qui devrait arriver quand même, allait suffire à résoudre le problème, notamment en Suisse, où on sait très bien, et les jeunes l'ont très bien compris rapidement, on leur a amené sur l'agenda politique, c'est pas que les émissions directes, la Suisse, c'est également les émissions grises, et puis la Suisse, elle est championne, hein, entre ses multinationales, sa place financière, ça salit ici, alors ça, ils ont pas trop aimé, et du coup, ils ont essayé de nous caricaturer un peu d'une autre manière, dire, maintenant, vous voyez que le climat, mais vous comprenez même pas que le climat, c'est qu'une chose par rapport à la crise environnementale et vous ne vous souciez pas des autres problèmes. Et d'un coup, on a commencé à leur montrer également à travers les autres manifs, à travers nos déclarations publiques, la manière dont on travaillait, que on était conscient de ces autres problèmes, on essaie de faire au mieux, on se connectait avec les autres mouvements de la grève des femmes pour comprendre également les enjeux qui tournaient autour de ces moments. Et puis là, ça s'est un peu... Ça a pris un peu de temps et là, ils se sont dit « Ah, mais en fait, maintenant, ce que vous dites, vous êtes soit utopiste ou soit bientôt, c'est ce qui risque d'arriver à mon avis, vous serez un peu des terroristes parce que vous allez faire des actions directes. » Alors déjà, la désobéissance civile, c'est à la limite qu'on avait rompu l'état de droit total et que c'était la guerre civile. Je caricature un petit peu, mais c'était presque ça sur trois actions par-ci par-là. Et maintenant où ça risque d'aller un peu plus loin, c'est ça qui risque de nous arriver. Mais comme tu l'as dit, il faut s'en réjouir parce que finalement, j'aime pas citer Greta souvent, mais là je vais la citer, elle dit si ces personnes nous attaquent et qu'elles ne trouvent plus rien à dire d'un point de vue politique, c'est qu'on touche le problème. Et de ce point de vue-là, elle a complètement raison. Merci. Moi, je vais répondre à ta question, Guillaume, mais il y a aussi deux ou trois autres choses que tu as dit, Christine, qui me donnent envie de réagir. Alors, la grève féministe, je pense qu'on a eu toutes les attaques. Le bingo anti-féministe, on l'a eu à multiples reprises, et le bingo anti-grève aussi. Cette grève, c'est pas une vraie grève. La grève politique, ça n'existe pas. Elles veulent faire grève. Pourquoi ? La grève, c'est sur les conditions de travail. Ça, c'était le premier truc. Ensuite, effectivement, ces féministes qui nous cassent les couilles, pour le dire clairement, avec leurs conneries, alors que finalement,
aller en Afghanistan et puis regarder comment ça se passe et puis on en reparle, parce que ça aussi on l'a eu, la bonne dose un peu raciste, islamophobe, etc. Ils se sont pas gênés. Et puis ensuite on a eu le truc de dire de toute façon il y aura personne. Il y aura personne, vous serez toutes seules, quatre hystériques qui gueulent dans la rue, etc. Et puis ben là, je pense que c'est la première chose par rapport à ce que tu disais avant, de dire il faut se réjouir de ce mouvement-là, ben, c'est aussi que ça a quand même créé un rapport de force. Et puis que je pense que là, on est en période électorale et que si les deux questions que maintenant tout le monde doit traiter et personne ne peut faire l'impasse dessus, pas même les élus de droite xénophobes ne peuvent ne pas parler de climat ou de féminisme pendant ces élections. Je veux dire, on a quand même des débats télévisés où on a un élu UDC qui nous dit non, mais on a fait plein de progrès, maintenant on a une femme candidate. Regardez comme on est bien. Et ils savent qu'ils n'ont pas le choix de ne pas le dire, parce que s'ils ne le disent pas, c'est plus toléré. Donc ça, je pense que c'est une grande réussite, alors qu'après, évidemment, ben, ça pose plein de questions. À l'issue de la grève féministe, plein de militantes qui ont fait partie du mouvement de grève ou pas, on dit oui, mais bon, vous vous revendiquez radical, mais vous avez des politiciennes qui ont voté en faveur de l'élévation de l'âge de la retraite des femmes dans vos manifs. Alors je pense qu'on peut le voir en disant ça veut dire que vous n'êtes pas assez radical, mais on peut aussi le voir en disant mais en fait c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles savaient que si elles n'étaient pas là, c'était la fin pour elles. J'exagère un petit peu, mais elles savaient que les médias le verraient, le diraient, et puis que pour leur crédibilité politique, ben, c'était extrêmement mauvais. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on fait avec ce rapport de force ? Ben, c'est un peu toute la question. Est-ce que... On se contente de se dire « Ah, youpi, si à la fin des élections fédérales, il y a 50% de femmes au Parlement », ce qui va, à mon avis, pas arriver, mais ça risque quand même, il risque d'y avoir quand même une poussée violette, on va dire, et certainement aussi une poussée verte. Est-ce qu'on se contente de se dire « Youpi, 40% d'élus, on s'arrête là et puis on en reparle dans 5 ans » Ou est-ce qu'on dit, et puis c'est ce que quand même une majorité de ce mouvement a envie de dire, les élections, finalement, c'est pas ça qui nous intéresse. La politique, enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. La politique institutionnelle, ça fait depuis la grève de 91, la première grève des femmes, qu'on leur demande de faire quelque chose. On n'a toujours rien vu. Leur promesse électorale d'égalité salariale, c'est du vent. Leur promesse, on a eu une vidéo très très drôle du conseiller fédéral socialiste PS qui, le jour avant la grève, a fait une vidéo avec des petites pancartes où c'était marqué « inégalité salariale, violence faite aux femmes, blablabla, blablabla, arrêtons de nous taire, stop ». Et c'est le même conseiller fédéral qui, il y a un peu moins d'un mois, a annoncé ouvertement en grande pompe la proposition d'élévation de l'âge de la retraite des femmes. Donc voilà, mais en même temps, ça fait un peu notre jeu, parce que je pense qu'il y a une espèce de prise en compte et puis de réalisation de la part de plus en plus de femmes qui se disent « bon, mais en fait, ils peuvent nous raconter toutes les salades qu'ils veulent, ils feront pas grand-chose », et qui du coup est un bon point pour aller vers une plus grande radicalité et puis pour une plus grande réflexion commune. Et puis ça, c'est l'autre chose que tu disais, que je pense hyper importante, au sein de la grève féministe, mais sûrement au sein de la grève climat aussi, c'est que c'est un des rares lieux à l'heure actuelle qui permet à des personnes de débattre qui ne sont pas des politiciens et politiciennes dans des chambres, mais qui sont des étudiantes, des salariés, qui sont plus jeunes et qui sont plus âgées, parce que ça, c'est une des plus grandes réussites, je pense, de la grève féministe, c'est que c'est un mouvement intergénérationnel, comme on en voit extrêmement peu, finalement, dans les mobilisations sociales. Et c'est un lieu de débat et de réflexion collective où on n'est pas toujours d'accord, où ces prochains mois, il risque d'y avoir quand même beaucoup de tensions parce que, ben voilà, on ne sera pas d'accord et on va certainement perdre du monde. Puis du coup, ça pose la question de attention à ne pas perdre trop de monde, attention à ne pas aller trop vite non plus pour que les personnes qui sont en train de faire leurs expériences dans ce mouvement-là ne soient pas complètement dégoûtées parce que finalement, ben voilà, elles perdent leur capacité d'auto-organisation parce que le mouvement veut aller trop vite en radicalité. Mais en même temps, ben, ça permet des débats qui font qu'on se forme, puis qui fait qu'on se forme pas tout seul dans notre coin sur notre ordinateur, en mangeant notre salade pendant notre pause d'une demi-heure au boulot, qui en plus, si ça se trouve, se fait à la maison parce qu'on fait du télétravail, mais qui se fait dans des assemblées collectives où ben, ça essaie d'être le plus horizontal possible, où certes, il y a un secrétariat qui donne la parole, mais qui n'a pas un pouvoir symbolique ou réel plus fort que d'autres personnes, et puis où du coup voilà, enfin, il y a les groupes de travail qui se mettent en place, c'est de l'auto-organisation aussi, et moi j'ai l'impression que ces groupes de travail, c'est un peu la meilleure porte d'entrée pour la suite de ce mouvement féministe à l'heure actuelle, parce que c'est là que le travail va se faire beaucoup, et puis que maintenant on arrive dans une phase où on peut plus réfléchir à une date butoir seulement, un nouveau 14 juin ou un 8 mars international qui est hyper important, mais on est obligé de réfléchir plus loin. Puis ça va passer par ces groupes de travail qui sont extrêmement importants et qui, là, pour le coup, se font vraiment en auto-organisation. Puis ça, je pense que c'est
vraiment fondamentale, en fait. Tu peux réagir sur la question des élections, parce que c'est lié. C'est vrai que j'avais pas mis l'accent sur ça avant, mais par rapport à l'acte 2 et ce virage qu'on donne aussi, il faut quand même garder en tête que une partie également du mouvement de la grève du climat s'est donné comme objectif les élections du mois d'octobre, pensant qu'une majorité pourrait faire totalement changer les choses. Alors déjà, de pouvoir y arriver, alors ça va être difficile. Et de là, de croire que finalement, la politique institutionnelle pourra vraiment résoudre le problème, ça, c'est encore un énorme problème qui est un point de tension dans le mouvement. Et qui fait que des personnes travaillent sur des sujets totalement différents. Certaines personnes sont en train de mobiliser sur les lieux de travail, de construire avec la grève féministe, tandis que d'autres sont encore en train d'écrire une charte et d'aller chercher des candidats et des candidates pour qu'ils la signent. Alors c'est important pour intégrer la majorité des personnes, mais comment est-ce qu'on va prendre ce virage lorsque le mois d'octobre sera terminé? Comment est-ce qu'on peut réintégrer ces personnes? Dans quelle perspective? Comment reconstruire avec? Et en parallèle, en plus de ça, on va dire que c'est une minorité, mais quand même qui pourrait avoir des répercussions sur les autres, c'est que certaines personnes disent « mais c'est foutu, concrètement », et nous disent « bon ben, on va partir juste habiter à quelque part, faire un truc autogéré, et puis on va sortir de ce rapport de force, de cette lutte, où on va construire nos luttes à côté comme ça ». Et ça, c'est problématique, parce que si de plus en plus de personnes sortent alors qu'elles étaient ultra actives et qu'elles faisaient du travail à la fois de création de flyers, d'aller donner de l'information, qui amenaient leur opinion, qui creusaient, qui allaient mobiliser la population, ben ça, c'est difficile. Et là, il y a un réel enjeu, en tout cas pour la grève du climat, plus que j'imagine la grève des femmes, c'est de ne pas non plus se laisser berner finalement par... ces deux grands mythes, bah celui de la technoscience, c'est plus difficile dans la grève du climat, évidemment, mais ça, c'est plutôt pour la population qui ne sont pas avec nous. Mais au sein de la grève du climat, avec tous ces discours des collapsologues, qui certes, alors pour certaines recherches sur l'effondrement, amènent des choses concrètes par rapport à la finitude des ressources, à tout le coût que ça a, ces énergies renouvelables, qui posent les questions de décroissance, de manière plurielle, évidemment. Donc pour ça, c'est très bien, mais qui en même temps pousse parfois des personnes vers ce mode passif dans la lutte qui est extrêmement problématique pour nous. Donc comment faire post 20 octobre, après élection, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, de différent, de plus fort? Passons à cette deuxième partie. Je n'avais pas prévu de l'introduire, donc... voilà, juste réfléchir simplement à quel type de convergence on peut voir naître ou on peut espérer voir naître rapidement entre ces deux mouvements, grève féministe et grève du climat. Et puis entre des revendications féministes et revendications climatiques en général. Donc peut-être pour faire le pont, je pense que le rapport de force, ça se matérialise aussi par quels sont les sujets qui sont dans le débat politique, dans le débat public. Qui impose ces sujets-là? Et évidemment, le fait que la question du climat ou le fait que l'oppression des femmes soit devenue des sujets du débat public, bon, ça change déjà les choses. Je ne dis pas qu'on a conquis l'hégémonie sur ces questions-là. Mais ce n'est pas la même chose que si le débat public, c'est par exemple la sécurité et l'immigration, au hasard. Bon. Donc ça, c'est très, très important. Donc, après, ça, évidemment, il y a la porte ouverte à toutes les récupérations. Voilà. Mais après, le test, il est sur... ce qu'on dit et ce qu'on fait. Bon, et c'est pour ça dans les mouvements, ce qui est extrêmement important, c'est extrêmement important, évidemment, de se définir, de comprendre que l'obstacle, c'est le capitalisme, qu'il faut changer le système, voilà, etc., etc. Bon, c'est vrai. Mais c'est aussi important de mener des combats concrets dans lesquels y a moins la possibilité de blablater. Hein, c'est-à-dire tel projet d'aéroport au hasard, parce que je l'aime bien, puis celui-là, on a gagné. Donc, la victoire de Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même quelque chose qui a fait plaisir. Mais voilà, il y a ceux qui étaient pour et il y a ceux qui étaient contre. Bon, et on a mené une bagarre et on a construit un camp de ceux qui étaient contre. On a allié des modes d'action qui sont extrêmement différents, extrêmement variés, et on a emporté la victoire. Voilà. Et se battre sur la question du changement climatique, c'est
pour ce que Naomi Klein appelle blocadia, c'est bloquer tous les projets climaticides. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des moyens, mais il faut les bloquer tous. Et à chaque fois, ça permet de d'établir clairement les choses. Voilà, tu causes. OK, le maxi pipeline, t'es pour, t'es contre. Tu le bloques pas, bon, etc. Voilà. Je pense, dans le même temps, et c'est une discussion qui est parfois plus compliquée, que le fait de pouvoir démontrer qu'on peut faire autrement, ce qu'on appelle les alternatives, bon, c'est aussi une dimension qui est extrêmement importante. Notre pire ennemi, c'est quand même encore Tina. Il n'y a pas moyen de faire autrement. There is no alternative. Il n'y a pas d'autre système possible. Et chaque fois qu'on démontre qu'il y a autre chose de possible, d'autres façons de vivre de possible, d'autres façons de produire de possible, d'autres façons de partager de possible, bon, c'est des quoi qu'on impose. Ça ne veut pas dire que la somme de ces alternatives va faire chuter le système. Évidemment que non, mais tout ce qui donne de la force, donne de la puissance et donne de la confiance dans nos propres forces, je pense que c'est extrêmement important. Bon. Sinon, c'est vrai qu'avec les collapsos, on peut s'engueuler jusqu'à la nuit des temps. Il y en a y compris avec lesquels on a vraiment, vraiment envie de s'engueuler parce qu'il y a des vrais réactionnaires parmi, en particulier d'un point de vue masculiniste. Je pense que c'est important de mener le débat, mais je pense que de notre point de vue, c'est surtout important de faire en sorte que le mouvement il se fixe aussi ses propres objectifs, ses propres combats et comment on avance et comment on passe effectivement de choses qui sont des démonstrations de force, de rue, c'est important, ça compte, etc., mais aussi dans des choses qui se construisent de manière beaucoup plus durable et où, à partir desquelles, on peut se poser la question des alliés, des alliances, avec quand même toujours l'idée du lien entre justice climatique, justice sociale. Bon. Je pense que sur dans la question féministe, il y a aussi ça, il y a aussi toute une série d'exigences extrêmement précises, extrêmement concrètes. C'est bien de pleurer sur les féminicides. Bon, c'est mieux si les femmes, elles ont concrètement les moyens de quitter un mari, un conjoint violent, et ça pose la question de l'accès au logement, et ça pose la question de l'accès à l'ensemble des droits, et ça pose la question de l'autonomie juridique des femmes migrantes, et ça pose toute une série de questions. Donc, OK, on pleure, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense que c'est... je pense ce terrain-là, parce que c'est vrai que c'est... Bon, l'émotion, puis on en a toutes parce qu'on a la rage, évidemment. Mais au-delà de ça, poser des demandes concrètes et y compris trouver dans un certain nombre de cas les moyens de mettre en œuvre au travers de l'auto-organisation des choses qui vont effectivement changer la vie et les conditions de sécurité des femmes, bon, je pense que c'est absolument, absolument décisif. Bon. Après... évidemment, le mouvement, c'est extrêmement important. C'est là-dedans que sans mouvement, rien ne peut avancer. J'ai une très belle citation de Rosa Luxembourg qui explique qu'il y a des choses... c'est très important d'élever la conscience, mais que ça ne s'élève pas par des tracts et par des brochures, et que c'est dans l'action que naît l'étincelle révolutionnaire, comme elle le dit de manière beaucoup plus belle que ce que je cite de mémoire. On a aussi besoin, parce qu'on est en panne d'un projet de société, d'un projet de transformation sociale globale qui donne envie. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi avoir des choses qui nous portent, il faut aussi avoir un horizon qui donne envie. Alors nous, on appelle ça l'écosocialisme, mais c'est vrai que ça vaut le coup d'être un peu creusé. Et moi, je pense que là-dessus, l'apport conjoint du féminisme, de l'écoféminisme et des mouvements pour la justice sociale et la justice climatique sont absolument indispensables. Parce que je pense que ça oblige
à poser des questions essentielles. Dans les questions qui sont difficiles sur la question du climat, y compris avec le mouvement syndical sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais pourvu que ça ne change rien, ne vous inquiétez pas, ça ne va rien changer. Et là, on a plein d'idées sur la bagnole électrique, donc ça va limiter... Bon, d'accord, on va, l'énergie, on va la prendre où ? Parce que si c'est pour faire des centrales nucléaires, non merci. Les batteries, on va les faire avec quoi ? OK. Bon, et y a une question qui fâche, mais qu'on n'arrive pas... qui est difficile à poser, qui est la question de la réduction de la production matérielle et les transports. Bon, cette question-là, elle est absolument incontournable. Et derrière, c'est évidemment... Mais qu'est-ce qui est vraiment important ? Qu'est-ce qui est vraiment indispensable ? Et de ce point de vue-là, rendre visible ce qui est aujourd'hui invisible mais complètement indispensable, qui est en gros tout le travail invisible des femmes invisibilisées, sous-appréciées, c'est pas français, sous-appréciées, vous voyez ce que je veux dire, qui est tout ce qui tourne autour du travail de soins, qui lui est essentiel mais qui n'est pas visible, lui redonner une place absolument centrale, je pense que c'est dans l'articulation de ces choses-là qu'on peut effectivement construire un programme éco-socialiste qui permette de répondre sans être dans un machin qui rassure du genre mais vous inquiétez pas, on va maintenir tous les emplois parce qu'on va reconvertir et puis ceci et puis cela. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui vont changer radicalement, mais ce changement radical, on en a besoin, mais on en a aussi envie parce que la façon dont on vit aujourd'hui, c'est pas cool, quoi. Enfin, c'est pas... Non, mais le nombre de gens qui sont mal et qui souffrent au travail, qui ont juste le sentiment de... Ils peuvent pas y retourner le lendemain, juste parce qu'ils en peuvent plus, parce que ça n'a plus de sens, parce que ça sert à rien, parce que ce qu'ils font, c'est moche, c'est dans des conditions qui les détruisent, c'est dans des conditions où ils maltraitent alors les patients, les personnes âgées, leurs élèves, le public qui reçoivent quand c'est pour dans les services sociaux, enfin, etc., etc. Bon. Tout ça, il faut que ça s'arrête. Et penser qu'on peut vivre autrement, je pense que un programme éco-socialiste, il doit aussi parler à tout ça et parler du monde dont on a envie, des relations qu'on a envie d'avoir entre nous et des relations qu'on a envie d'avoir avec la nature dans son ensemble. Je pense que c'est... Et ça, c'est des choses qui sont portées fortement et par le mouvement féministe et par le mouvement pour le climat, qui n'était peut-être pas la façon traditionnelle de ce qui était considéré comme central de manière un peu... Ouais, un peu traditionnel dans les mouvements ouvriers ou dans le mouvement syndical, mais peut-être que au-delà de toute une série d'autres questions, une partie de son affaiblissement tient aussi à son incapacité à avoir pris en compte ces dimensions-là de la vie et de considérer que le problème avec le capital, il n'est pas seulement entre le capital et le travail salarié. Le problème avec le capital, il est entre le capital et tout ce qui fait notre vie. Tout ce qui fait notre vie parce que le capitalisme modèle l'ensemble des dimensions de notre vie. Oui, alors maintenant, je trouve que c'est très intéressant, cette question un peu de quelle porte d'entrée on prend pour expliquer que ce qu'on veut, c'est un changement de système, en fait. Parce que c'est ce qu'on veut, finalement. Alors, pas toutes les personnes présentes dans la grève climat, pas toutes les personnes présentes dans la grève féministe, mais nous, comme militants anticapitalistes, féministes, écosocialistes, c'est ce qu'on veut, c'est on veut un changement de système. Et puis, ben, ça fait beaucoup écho à ce qui se passe pour nous en ce moment en Suisse, parce que voilà, comme on l'a dit, on est en période électorale. Une de nos revendications principales qui a été développée par la grève féministe, mais aussi par la grève climat, c'est la réduction du temps de travail. Parce qu'on passe en Suisse 42,5 heures par semaine à travailler en moyenne, sans compter les heures supplémentaires non payées, qu'on fait face à une flexibilisation du travail qui est toujours plus grande, que là, on a un parti libéral radical qui nous sort des affiches sur rendre possible des modèles flexibles de travail avec une affiche super d'une maman qui travaille dans son salon avec son bébé à côté et son ordinateur sur les genoux. C'est ce dont on rêve toutes et tous pour notre futur, évidemment. Et voilà, et cette question de réduction du temps de travail, ben c'est vrai qu'elle se heurte très vite à la réaction des gens qui disent « Oh mais putain, moi je travaille déjà des heures, j'ai déjà pas de quoi me payer, de quoi vivre, donc
de quoi vous me parlez. Puis c'est vrai que c'est une porte intéressante pour commencer à dire oui, mais parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas que vous continuiez à travailler moins dans ce même système. On veut que vous travailliez moins dans un système différent. On veut plus de temps pour vivre. On veut plus de temps pour nos loisirs. On veut plus de temps pour s'occuper de nos proches. Mais c'est compliqué. Puis de réussir dans une discussion un peu de rue à passer de réduction du temps de travail à finalement sortons du capitalisme. C'est toujours un peu difficile pour déjà pas se faire étiqueter d'utopiste, mais en plus de ça, pour voilà, populariser cette idée qu'un autre système, il est possible, qu'un autre système, il est même à envier et à vouloir et pas seulement à rêver, et que ça nous profiterait à toutes et tous, et que finalement, ce système capitaliste, alors oui, on a des petits plaisirs, à très courte durée, par le luxe, par les voyages, par les jolies choses qu'on peut s'offrir et s'acheter au quotidien. Mais finalement, notre bonheur de la vie de tous les jours, il est assez faible. Enfin voilà, on travaille dans des boulots qui ne nous plaisent pas. Mais du coup, moi, c'est une question qui me pose pas mal de problèmes, de comment réussir à franchir ce pas, même déjà dans le discours, et réussir à dire, oui, on veut un changement de système et il est possible et les mesures qu'on propose sont un premier pas vers ce système-là, et c'est ce qu'il faudrait se battre pour mettre en place. Ouais, c'est un truc que je trouve assez compliqué à mettre en mots au quotidien, en fait. Avec la grève climat, c'est même pas forcément le « on veut », mais c'est « on doit changer de système », parce qu'avec la croissance, c'est simplement mort. Et cette question de la temporalité aussi, de comment faire passer des nouvelles idées, est complexe, parce qu'on sait tout le processus difficile qu'il y a derrière le fait de réaliser que dans 10 ans ce sera totalement différent, même peut-être à plus court terme, et qu'on n'a pas envie, simplement, mais il faut donner envie. Et cette question s'est posée très vite avec la grève du climat, et effectivement, moi aussi, je vois qu'il y a un enjeu à travers la réduction du temps de travail à poser des questions fondamentales, celles de la production, de qu'est-ce qu'on veut produire, de comment est-ce qu'on veut le produire, sous quelle fréquence, pour quels besoins, et qui mettent des secteurs, du point de vue environnemental et climatique, en avance, celui du complexe militaire déjà, tout ça, cette industrie qui doit disparaître à court terme, disparaître simplement, et nombreux autres secteurs qui, quant à eux, doivent être valorisés, qui doivent être en plus partagés, celui de l'agriculture, qui doit redevenir vraiment une priorité notre fondement de société, mais également celui, tu le disais très bien, des soins aux personnes et de la proximité, de connaître, de ne pas être finalement des robots, de dire vas-y, je traite vite ça, j'ai 30 minutes, patiente suivante. Non, il faut reconsidérer toutes ces priorités. Et à titre personnel, je dirais que l'imaginaire a énormément à jouer, mais ça restera extrêmement difficile à faire ce pas pour la majorité des personnes. Donc c'est de ça qu'il faut réussir à discuter. Très bien. Je crois qu'il y a un consensus pour dire avec Michael Levy que prôner la décroissance, c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a des secteurs qu'il faut faire croître, absolument. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à toi, Christine Poupin, d'avoir pu venir ici. À tout bientôt pour une pété d'autres vidéos qui suivront.